C'est peut-être un peu plus délicat parce qu'il a joué pendant de longues années en première division. Retrouver une place de remplaçant, ce n'est pas toujours facile et pas évident à gérer dans la tête. Donc il faut lui donner malgré tout des challenges, c'est-à-dire pour qu'il continue à travailler, continue à progresser. À savoir s'il arrive quelque chose à Bernard ou une méforme ou une blessure, il faudra qu'il soit là au plus haut niveau pour être prêt. Bernard est le gardien de l'équipe de France, donc la rivalité n'existe pas. Moi, je viens là pour apprendre à ses côtés. J'ai beaucoup d'ambition, mais avec Bernard, c'est surtout une complicité. Bon, on s'apprécie déjà quand on jouait contre. On a eu toujours de bonnes relations. Bernard, je sais qu'il a été favorable à ma venue à Paris Saint-Germain, mais moi, j'essaie de le mettre dans les meilleures conditions pour le match. Allez, touché, super. Oui. Allez, Luc, allez, arrache. Oui, Lucky. Il faut au minimum deux gardiens dans une équipe. Et le deuxième gardien a un rôle primordial. Il est important que l'on s'entende bien. Et à ce niveau-là, ça se passe très bien parce que Luc, c'est un garçon très sensible et très intelligent. C'est aussi un très très bon gardien. I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me. Remember when we were such fools and so convinced. Just to go. No. I wish I could touch you again. I wish I could still call you friend. I'd give anything. When someone said, count your blessings now. For the long. Corner cette fois-ci frappé par Guérin. On change les côtés, on change.
Allez, félicitations Ricardo. Pris plaisir à suivre à l'occasion des entraînements. Regardez, Fabrice, c'est à vous. Oui, avec Luc Borelli dans les buts. De Luc Borelli. Ouais, Luc pur marseillais. Ça. Luc Borelli, né à Marseille. Bien, jouer comme ça devant 20 000 spectateurs. Match au sommet de ce championnat. Appréciée là, c'est celle du vestiaire de Caen après la victoire 2-0 sur Marseille. Et on va retrouver Frédéric Viard qui doit être aux côtés d'un invité ou de plusieurs en tous les cas. Quand on a un petit peu de temps, on va en profiter. Écoutez. On a réussi à Guerrero, il y a Pascal Vaillurea, il y a Patrice Guérande, il y a vous. On retrouve la même ambiance qu'à Auxerre, à Caen, pour vous retrouver aussi nombreux. Oh oui, c'est possible, c'est fort possible, surtout ce soir. Encore prendre 3 points, et puis pour nous, c'est 3 points de plus dans le tableau, et je pense que c'est ce qui est le plus important, même si c'est contre Marseille, que ce soit contre.